Salut! Tu aimes les figues, les animés et les calamars? Oui? Eh ben cet animé est fait pour toi, garanti sans aucune scène perverse. Allez, désolé, hein, on a déjà fait tout l'œuvre la dernière fois, je vais pas présenter mes etchi à tous mes épisodes, hein. Oh là là. Aujourd'hui, on parle de Shingaro Ikamusume. Tu peux pas fermer ta gueule? Shingaro Ikamusume est un shonen écrit par Masahiro Hanbei et publié en animé à partir d'octobre 2010 par le studio Geomedea. La série comporte deux saisons de 12 épisodes ainsi que 3 OAV. Par contre, à part le premier épisode de la saison 1 et peut-être le dernier épisode de la saison 1 ainsi que le premier épisode de la saison 2, vous pouvez regarder les épisodes de cet animé dans l'ordre que vous voulez, ça ne changera absolument rien. Personnellement, je suis passé du 3ème épisode de la saison 1 au 3ème épisode de la saison 2 sans même m'en rendre compte. Autant tout l'œuvre. C'était what the fuck. Mais alors, Shingaro Ikamusume, c'est pas mieux. C'est l'histoire d'une fille calamar nommée Ikamusume. Ikamusume, fille calamar, et qui décide d'envahir la Terre. Shingaro, invasion, vous commencez à comprendre. Parce que les humains ne respectent pas la mer. Elle atterrit donc dans un restaurant de plage nommé le Lemon, et rencontre les propriétaires du lieu, qui par la suite deviendront un petit peu sa famille. Elle a quand même explosé un mur dans le restaurant, ça... Voilà, c'est tout. Ah bah oui, hein, je peux pas vous en dire plus. Là, je vous ai déjà spoilé une très grosse partie de l'anime. Alors, pour mes openings préférés, c'est très simple. Dans l'ordre, il y a 3 openings. Et ce que je préfère, c'est celui de la première saison, celui des OAV, et celui de la saison 2. Sachant que je peux pas mettre celui de la saison 2 dans la vidéo, sous peine de me faire striker. Maintenant, on passe à la partie la plus intéressante, mon avis sur l'anime. Là, c'est très simple. Le background est très, très, très facile à comprendre. Et très, 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 très léger. Il y a pas grand-chose dans le background. Et ça, c'est cool. Après, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Ça, je vous le dis aussi, je vous explique pas trop, mais il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est-à-dire que on regarde plus l'anime
pour regarder l'animé et se taper des barres qu'autre chose. Et cet animé d'ailleurs est très très drôle. Autant les quelques personnages qui arrivent peuvent un petit peu, on va dire, remplir le background un peu vide, mais franchement, même ça, c'est pas un problème, franchement. Après, c'est vrai que l'animé peut faire un peu lifestyle, quoi, parce qu'on regarde juste un petit peu la vie d'une fille calamar sur Terre, hein, qui apprend des choses de la vie sur Terre, voilà. Sinon, c'est tout. Mais par contre, cet animé est à mourir de rire. Et c'est pour ça, quand même, que je lui donne la note de 8 sur 10, parce que franchement, à part le fait que niveau histoire, là, on soit très bas, et franchement, il est à mourir de rire, et je le recommande, vraiment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, qui sera quand même, je pense, un peu plus courte que les autres. Comme ta bite. Toi, je vais te niquer, toi, à la fin. Je disais donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous likez, partagez. Vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Hunter. Ciao!